Bon, finalement, je suis pas partie faire mon petit pipi, je suis revenue là. Et je vais ouvrir les 4 courriers qui me restent. J'en ai déjà ouvert 6, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. Mais il y en avait 6. Ah bah oui, mais il y en a une par terre. Oups. Celle de Annie. Annie Lavantana. Je vais l'ouvrir, elle était par terre. Ça sent le piège. Pas pareil épais. Est-ce que je vois? Non, par transparent, je vois que dalle. J'avais mes ciseaux dans la main depuis le début de l'ouverture des courriers là. Mais je ne les ai pas utilisés. Donc j'ai arraché comme une chacale mes lettres. Alors. Je vois du rose, c'est bon signe. Non mais je suis pas obtus, hein. Je suis pas, il n'y a pas que le rose dans ma vie, hein. Faut pas exagérer. Alors. Ah non. J'ai eu peur qu'il y ait des confettis, mais c'était ça que je sentais parce que c'était un petit peu, mousseux. Alors Annie, que m'as-tu fait? Moi j'aime bien. J'aime bien les découpes et tout. J'ai l'impression que je suis tassée. Allez, hop, redresse-toi, coco. Alors, on va commencer par la lettre hein, derrière. Une petite lettre, une petite enveloppe. Bon, clairement, je ne vais pas lire ça tout de suite. Hein. J'ai tout ça à lire. Tout ça. Non, je vais lire après. Ça y est, ma petite carte. Nanana. J'ai envie de lire quand même. Hein. Ah, Langevin Vallon. Bah oui, c'est pas très loin. Je peux continuer, mais je vais y arriver. Moi, ça va. Mon mari, au contraire, il est content quand je fais du scrap. Des fois, même quand j'en fais pas, quand je suis pas dans ma pièce, parce que j'y vais un peu tous les jours. Et si pendant un ou deux jours, j'y vais pas, il me fait, bah alors, t'as pas d'inspi aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'arrive? Bassin d'Arcachon. Ah bah j'irai en vacances chez toi. Ah. Ah non, t'écris pas mal. Moi j'arrive à te lire super bien. Moi des fois, j'arrive même pas à me relire moi-même. Bon bah j'ai lu mon mot, je pouvais pas résister. Hein. Merci, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et une petite carte. Peut-être avec une carte ATC dedans. Ah non, des découpes. Ah, des petits sapins. Et je vois un petit sapin et un petit et deux petits Bambi. Enfin bref. Ah bon, un sapin par terre et deux petits Bambi et une étoile. Et il y a d'autres étoiles aussi dedans. Tac. Oh là là, il me faudrait une troisième main. Ouais, dedans il y a encore un petit sapin, une petite étoile et tout et tout. Allez, bim. Et le sapin qui est tombé par terre. Donc je vais les remettre dedans en essayant de ne pas les abîmer, pas de plier la pointe du sapin par exemple. Voilà. Je remets dans la petite pochette derrière. Et oh, c'est joli. Bon, ça je vais l'enlever. Oh, c'est mignon. Oh, la découpe comme ça, c'est trop joli. Je vais étudier le système. C'est juste du découpage et du pliage parce que là, en fait, c'est qu'une seule feuille. Ou pas.
Non, je vais étudier le truc. J'aime bien la surprise quand on ouvre le volume là. C'est trop sympa. Et dedans, il y a une carte ATC qui a été cachée. Merry Christmas! Avec un petit renne, un petit cerf, un petit Bambi, hein, ce qu'on veut. Ah, c'est trop sympa. Bah, merci beaucoup, Annie. Ça fait plaisir aussi, ça. Je remets dans la carte. Dans l'enveloppe, plutôt. Hop. Alors, moi, j'ai pas des confettis, mais j'ai de la neige. J'ai de la neige qui me se met partout. Alors, suivante. Next. Suivante. Ensuite, Anna. Anna, ça me dit quelque chose. Je crois que ton pseudo, je le connais, mais je voudrais pas dire de bêtises, alors je vais pas le dire à haute voix. Dans ton pseudo YouTube, il y a Anna, je crois. Oui, oui, mais je voudrais pas dire de bêtises. Voilà, parce que si c'est pas toi et tout... Qu'est-ce que c'est ça? Oh, t'es mignonne. Petite licorne pastel. Voilà. Oh là là, les superpositions. Ce que moi, j'arrive pas à faire. C'est très joli ton papier derrière. Regardez. Le papier derrière, ça fait un peu de l'aquarelle, mais c'est très joli. Et les superpositions de fleurs, moi j'arrive pas à le faire. Oh, tu m'as mis plein. Oh, trop bien. Oh, trop top. Regardez. Des stickers de licorne. Des licoutons de coco. Oh, c'est trop mignon. Voici ma gentille vengeance. Bah, pourquoi une vengeance? Il n'y a pas besoin. Ah, mon chouchou, ça doit être celui-là. Il est trop beau, celui-là. Allez, focus. Ah, rigolo, hein. Bref, il y en a plein. Est-ce que si je mets ça... Ah, parce que celui-là est trop beau, j'ai envie de vous le montrer. Est-ce que si on cache... Bon, bref, c'est une licorne pastel que j'aime beaucoup. Et ta carte, elle est trop mignonne. Je suis amoureuse de ton papier là derrière. J'aime bien. Ça me fait alors Cricri Brico, je sais pas si tu vas passer par là et je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais pour faire avec tes petites fées Lavinia là, je trouve que le fond il irait trop bien. Voilà. Il y en a encore dans l'enveloppe, je regarde. Je tâtonne. Ouais, c'est mignon, c'est super mignon quand même. Trop bien. Quand même, le quand même, je vois pas pour qu'est-ce qu'il foutait là, mais c'est super mignon, point, il n'y a pas besoin de quand même. Hop, je remets dans l'enveloppe. Et demain, c'est mardi, vous allez me donner du boulot, hein. Non, je plaisante, la fille qui se met en colère. Ouais, j'en ai marre, trop de courriers. Non, c'est une blague. Hashtag, je plaisante. Alors, next, je t'ai dit merci. Merci, Anna. J'ai pas dit merci, je crois. Enfin, je sais plus. Si, bah, je te dis merci. Il faut mieux dire merci 36 fois que pas du tout. Hein. Alors, Angélique du 30. Qu'est-ce qui se passe dans cette enveloppe? Alors. Regardez, moi, je défonce toutes les enveloppes. Oh, y en a qui vont crier dessus parce que. Faut pas. Oh, des cadeaux! Alors ça, je les avais vus et bah, j'avais pas pris, mais j'ai pas eu besoin de les prendre, ils viennent à moi. Comme je disais dans une autre vidéo, la vidéo de Stéphanie, où j'ouvrais le courrier de Stéphanie, je dis, j'ai pas besoin d'aller chez Action, Action vient chez moi, donc voilà. Ça, les petits trucs de parfum là, je me dis, pour la fête des mères, c'est peut-être pas mal du tout. Ou il y en a avec des cœurs, pourquoi pas, pour la Saint-Valentin. Je ne sais pas, faut que je trouve une idée.
C'est bien parce qu'il y a un truc masculin. La montre, enfin, je trouve que ça fait masculin. Et quand on a une carte masculine à faire, je trouve que ça peut aider. Oui, je me gratte tout le temps le nez, mais je sais pas pourquoi. Il doit y avoir des petits poils de chat qui volent ou j'en sais rien. Mais merci, merci beaucoup. Et vous avez remarqué, je me suis jetée sur les cadeaux avant de regarder le courrier. On se refait pas, hein. 1000 excuses pour le retard. Ah, laisse-moi rigoler. 1000 excuses, mais ne vous excusez pas pour le retard. Avec moi, s'il y a bien une fille avec qui il n'y a pas besoin de s'excuser pour le retard, c'est bien moi. Parce que je suis la reine du retard, de retour de courrier. Je n'ai pas voulu faire de rature dans la carte. Depuis que j'ai fait le message, j'ai trouvé pour ma nièce. Tu comprendras à l'intérieur. C'est trop beau. Elle est trop jolie ta carte. Voilà. Voilà, ça c'est joli. C'est, enfin, des fois dans les ouvertures de courrier, j'ai peur d'être maladroite. Voilà. J'ai peur de dire voilà, ça c'est joli et de dire genre le reste c'est de la merde. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'aime tout ce que vous m'envoyez, mais des fois il y a des trucs que je trouve qu'il y a un petit truc différent. Mais j'aime tout ce que vous m'envoyez. Enfin là c'est dans les enveloppes, mais tout ce que je vous ai montré dans cette ouverture de courrier, je kiffe tout. Voilà. Je trouve que c'est. Enfin, vous avez. Tout le monde a un style, tout le monde a un goût différent. Enfin, vous. Enfin, en fait c'est magique quand on reçoit du courrier comme ça, c'est magique. Mais c'est vrai que là par exemple, tout bêtement, un flocon de neige avec un petit ruban argenté, ouais, j'adore ça, c'est joli. Voilà, j'espère que vous le prendrez pas mal. Voilà. Merci pour tes petites. Ah ouais, d'accord. Oui, parce qu'il lui manquait quelques cartes. Ah bah je crois que la 40 A et B, ça me dit quelque chose. Je crois que je l'avais celle-là. Et que je n'ai pas, je te vois. Ah oui, bon bah. Je te souhaite enfin une bonne année. Merci Angélique. Un petit tampon, trop mignon. Bah merci beaucoup Angélique, c'est très gentil d'avoir pensé à moi. Merci pour les stickers. Hein. Je vais arrêter de dire oh, fallait pas et tout. Parce que je le dise ou que je le dise pas, vous vous en faites qu'à votre tête. Alors. Hein. Et en même temps, je vais pas vous mentir, ça fait plaisir. Mais à force, vous devez le savoir, je crois que je me répète dans toutes les vidéos. Merci, merci beaucoup Angélique. Reste 15 minutes. Ben, j'ai bien fait de couper ma vidéo précédente parce que ça aurait jamais pu tenir en une seule vidéo. Ensuite, Agnès qui m'envoie une lettre. Mais ça va pas la tête. En plus, je les ai regardées, je les ai vues sur je sais plus quel site. J'ai failli, et je crois qu'elles sont. J'ai failli les mettre dans un de mes paniers. Oh là là. Merci. Ah, mais faut pas faire des trucs comme ça. Regardez ce qu'elle m'a envoyé aussi. Oui, je me jette sur les cadeaux, mais alors là, je lis même pas le courrier. Hein. Des beaux gros nœuds comme ça. Je vais en ouvrir un. Ils sont trop jolis ces nœuds. Des gros nœuds comme ça en dentelle macramé. Ils sont très très jolis. En même temps, j'ai envie de vous dire un truc à propos de ça là. C'est que je trouve que Santoro, eh bien, il abuse. Voilà, clairement. J'adore. Non, je veux pas que tu le prennes mal. Hein. J'adore ces nœuds. Ils sont trop 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 beaux. Mais juste, il se fait du fric sur son nom, Gorgeous et tout ça, puisqu'il fait des nœuds, voilà, mais il n'y a pas aucun endroit, il y a marqué Gorgeous, ou il y a une petite tête, ou il y a un truc,
C'est juste un rouleau de ruban. Ils ont fait des nœuds, ils ont mis dans un sachet, ils ont estampillé Gorgeous. Et ils les vendent plus cher parce que c'est Gorgeous. Voilà, je trouve que ce côté-là, il est un petit peu abusé. Alors que ça, c'est bon, on voit bien que c'est du Gorgeous. Mais là, ils auraient pu mettre Barbie, Pat Patrouille ou je ne sais quoi. Bah, ça aurait fait pareil. Hein. Donc, je trouve que ce côté marketing, je fais de l'argent sur mon nom, quoi. Je trouve que c'est un petit peu abusé. Mais ils sont super mignons. Voilà, je trouve super mignon. Et le rose, là, il est beau aussi. Il est un peu plus fin. Regardez. Donc ça, ça c'est clair que je vais les utiliser. Hein. Et puis ça, c'était sûr que tu tombais, ça fait dans le mille, ça fait trop plaisir. Alors, oh, elle est rigolote ta carte. T'as cassé tes lunettes là, chouette. Regardez les branches des lunettes. Alors oui, j'ai dit chouette, mais peut-être que c'est un hibou ou je ne sais quoi. Moi, je fais pas trop la différence. Je sais qu'il y a un truc pour faire la différence, mais je me rappelle plus. J'abandonne l'idée de te faire une carte par moi-même. Ah, merci beaucoup. Merci, t'as un petit mot trop gentil. Et fallait, t'étais pas obligé de m'envoyer des cadeaux. Pas obligé, mais je suis contente aussi, hein. Voilà, comme à chaque fois. J'ai cru que mon compteur, il était bloqué. Je regarde mon compteur et je croyais que ma vidéo s'était stoppée. Hey Lucie, regarde la petite Gorgeous Pirate, trop sympa. Non, trop sympa. Merci beaucoup. J'espère que je t'ai pas vexé pour ça, c'est pas contre toi. Hein. Ils sont trop beaux, hein. Les nœuds, ils sont trop mignons, c'est de la dentelle. J'aime beaucoup le naturel de ces nœuds. Mais je trouve que le côté business, c'est un petit peu abusé. Parce que vous mettez pas Gorgeous, vous voyez, on voit pas que c'est Gorgeous. Bon bref, faut pas m'éterniser 3 heures sur le sujet. Merci beaucoup. Et ensuite, je vais ouvrir quelque chose. Alors, c'est mou. On dirait qu'il y a du tissu dedans. Bon, je suis très intriguée. J'ai résisté à pas l'ouvrir en premier. Alors, attention. Je vais mettre un coup de pied dans le trépied. Oui, ça, c'était prévu. Parce que je vais m'installer autrement. Je croise les jambes. Non, mais je m'installe autrement. J'étais pas très bien, là. Et voilà. Donc, ceci vient de Pascal. Donc, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ou alors, j'ai perdu la boule. Voilà, mais ça peut arriver, hein. Vu mon grand âge. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je me demande ce que c'est là. Regarde, j'ouvre, c'est comme ça. C'est tout blanc. C'est un t-shirt? Qu'est-ce que t'as fait? Disney? Oh, t'es trop chou! En plus, il est trop beau! Pff, regardez! Oh non! J'adore! Oh là là! KXL, bah parfait! Oh là là, non, il est trop beau! Pascal, t'es folle! Je me demandais, hein, en fait j'avais tâté le truc et je me suis dit qu'est-ce que c'est. Oh, il est trop beau, merci. Bon bref, on continue, on va lire le courrier. Oh, attendez. Bon, vous allez voir mes gros bras, mais c'est pas grave. Hop. Yes. Attendez, hop. C'était pas prévu. Alors, attendez, on va enlever ça. Hop, hop, hop. Oh, trop bien. Oh, je kiffe. Ouais, bah, je vais rester loin comme ça. Oh non, je vais rapprocher. Oh, merci.
Bon, je vais quand même en remettre ça parce que j'ai un petit peu froid. Et quand j'ai froid au cou, j'ai froid partout. Voilà, bon, on le voit plus. Donc, on va mettre le truc derrière. Voilà. Vous voyez que les oreilles. Bing. Oh, Bambi. Oh non, je me caresse pas les seins. Je caresse Bambi. Oh, le truc. Bon, je peux pas couper de toute façon. Donc, bon, bah voilà, vous le verrez. Allez, on continue. Ah, mignonnette. Ah, c'est trop mignon ça aussi. Alors, j'ai vu le t-shirt, je me suis dit c'est pour Corinne, alors voilà. J'espère qu'il te plaira. Je pense que t'as compris que oui, il me plaît, hein. Caresse à Niji. Pascal. Oh les gars. En plus, c'est en noir et doré comme ça, il est trop beau. Trop beau, trop beau. Merci. Oh, génial. Alors, je vous admire les nanas quand vous... Les nanas. Hé les nanas. Non, je vous admire quand vous prenez autant de temps pour faire les tamponnages et les découpages comme ça. Je vous avoue, moi ça m'arrange mais de fou parce que j'ai une flemme de tamponner, de couper, de... Ça c'est pas mon kiff. Hein. Je vais tout vous montrer. Là, il reste 7 minutes. Et bah allons-y. Alors, une petite pancarte. Enfin, des pancartes, je ne vais pas toutes vous les montrer. Des petits chats, c'est chou. Est-ce que ça... Ouais. Alors, toi, t'es trop mignonne. Oh, tous les petits chats, là, ils sont super mimi. Ah, bim, j'en ai fait tomber. Hein. Vous allez vous dire, putain, son sol, il doit être... Non, mais je balaye de temps en temps, je ramasse et je balaye. Des... Oui, vous voyez rien, ça c'est nul comme méthode. Un gros matou. Celui-là, alors je vais vous expliquer, celui-là, il est de dos. Donc moi, comme une idiote, je vous montre là pour que vous voyez son visage. Non mais... Elle, elle est trop mignonne. À chaque fois que je reçois des séries comme ça, des coupes de tampons, de choses, je me dis, oh, je vais faire des ATC et tout, puis je les fais jamais. Des reines de Noël. Bon, il y en a plusieurs, je vous les montre pas. Alors ça, c'est cool. Aussi. Petit champignon. C'est le même qu'il y a sur ta carte. Ah, il y en a deux. Ouais, c'est celui de la carte. Colorier aussi, c'est... C'est pas une grande passion chez moi. Ouais, ils sont trop mignons. Ah là là. Ah bah. Tadam. Mais j'ai une idée de... Pour faire un truc, ça fait un moment que j'ai une idée. Mais que je n'arrive pas... Oh, c'est trop chou que je n'arrive pas à me mettre. C'est trop mignon, regardez. Alors... Ça, c'est pour glisser un truc dedans. Alors, attendez, il y en a plusieurs. Je vais les poser là avant de les faire tomber. Attendez, hein, je réfléchis. Parce qu'il y a des trous. Il y a des trous. Est-ce que c'est pour glisser Non, c'est pas fait pour glisser ça. Qu'est-ce que je vais faire, moi, avec ça? On peut glisser une carte en fait. Je réfléchis. Hein. Attendez, je vais prendre une découpe. C'est pas une carte, mais c'est pas grave. Ah, j'avais pas vu. Regardez. Je vais prendre un petit morceau de quelque chose. Ça se trouve, c'est pas fait pour ça. Mais bon, c'est pas grave. Oh, lui, il est trop large. Ouais, on peut glisser un truc dedans, c'est trop bien. Bon, bref, là je l'ai glissé. Enfin, j'ai pris une découpe, hein, mais on peut peut-être mettre autre chose. Un petit mot, je sais pas. Et avec avec ses pattes là, et on peut le faire tenir.
Voilà, on peut même le faire rentrer dedans, je pense. Ouais, voilà. Bon, bref, si on veut mettre un petit quelque chose, vous voyez, ça tient. Et hop. Ah ouais, c'est cool. C'est trop sympa. Bon. Oui, je fais des essais. Ça va, je vous dérange pas trop. En fait, c'est comme si j'ouvrais quasiment toute seule. Avec ma copine à trois pieds, là, mais toute seule. Toutes ces découpes. Ah, oh, je vois un panier. Plein de découpes. Alors, à chaque fois, j'hésite à les ouvrir. Alors, petit à petit, là, les filles, j'arrive à bien m'organiser. À bien trier. Mais il faut que je trie encore mes découpes. Ça, c'est du boulot. Et mes tampons clairs. J'ai mes boîtes. J'ai pas utilisé encore mes boîtes avec le couvercle rose. Et je les ai pas utilisées encore. Mais je pense que aujourd'hui ou ce soir ou je sais pas quand, je vais trier. C'est super sympa. Où est-ce que je vais me mettre? Oui, bah, il reste 2 minutes. Hein. Je vais prendre mon temps et puis si ça coupe, ça coupe. Hein. Voilà. Je vais vous montrer les découpes. Qu'est-ce qui a marqué? Est-ce que ça va dedans? Je sais pas. Est-ce que ça, c'est une découpe? Oui, c'est ça. D'accord, c'est la découpe qui allait dedans. Mais si on veut, on peut ne pas la mettre. Voilà, elle n'y était pas. Elle était enlevée. Voilà, hop, tac, elle était enlevée. Cheers. Il y a la même en rouge. Vous voyez, c'est... Ça peut être enlevé de l'intérieur. Putain, je m'accroche de partout. Alors, je l'ai en rouge, je l'ai en rose. Ouais, il est derrière. Oh, des montgolfières. J'ai envie de refaire un truc avec des montgolfières, mais je sais pas quoi. Parce que j'en vois partout, ça me donne envie. J'ai des bouteilles. Cool, ça, pour la Saint-Valentin. La rouge, là, peut-être je vais faire un truc pour Saint-Valentin. Ouais, je sais, Saint-Valentin. Oh, avec les petites flûtes de champagne. Saint-Valentin, oui, je vous ai dit, je trouve ça cucu, mais c'est un... Un inconditionnel, quoi. C'est obligé de passer par dans la création, là, dans la Saint-Valentin. Oh, les petits bouchons de champagne, trop chou. Des verres. Oh, yes. Alors là, des lapins pastels. Donc, là, t'es sûr de, hein, de taper dans le mille. Oh, lui, je l'ai pas. Oh, je l'ai pas non plus. Je suis trop contente. Je suis trop mignonne, la fille. Au lieu de dire je suis trop contente, j'ai dit je suis trop mignonne. Non, t'es trop mignonne. Oh, il reste 53 minutes. Il y a 2 secondes, je regarde le compteur. Il restait 2 minutes. Bon, bref. Je voulais vous montrer. Hop, ça. Ah, ça, trop bien. Le panier, trop bien. Les petits cœurs. J'arrive pas. Trop bien. Il reste 38 secondes. Merci, les filles. Je vous dis merci en même temps. Une mini. T'as plein de trucs. Encore une montgolfière, des fées. Oh, putain, tu m'as gâtée. Hein. Voilà. Bon, bref, je pourrais. Ah, celle-là, elle est mignonne aussi. Hein. Je ne pourrais pas tout vous montrer. Je vous en ai montré beaucoup, mais il en reste encore pas mal. J'en ai encore tout ça. Bim, c'est tombé, mais je la vois, elle est là. 7 secondes, je vous fais à tous des bisous. Je vous dis un grand merci. Et à bientôt. Bye bye.